Le week-end dernier, le blogueur Aquababy a expliqué que, d'après ses informations, Jennifer était en couple avec un homme marié lors du tournage, un certain Adrien, qui aurait finalement quitté son épouse pour Jennifer. Des photos de l'homme en question, en compagnie de la maman d'un petit garçon de 7 ans, ont été dévoilées. Très vite, cette dernière s'est donc saisie de son compte Instagram pour démentir ses allégations, et elle compte même porter plainte contre Aquababy. La Lilloise reçoit en effet de nombreux messages de haine depuis la sortie de ce ragot, alors qu'elle n'était absolument pas en couple avec un autre homme durant le tournage, selon ses dires. L'homme qui a été montré malgré lui serait en réalité un ami de la famille. Jennifer a donc fait appel à un avocat afin de poursuivre Aquababy en justice. Mais ce n'est pas tout, car Jennifer a également regretté que certains fans de l'émission soient prêts à tout pour savoir si elle est toujours en couple actuellement. Certains viennent devant chez elle ou dans le salon de coiffure dans lequel elle travaille afin de voir si elle porte son alliance. Mais les plus informés le savent, tous les candidats doivent les retirer après le tournage afin de brouiller les pistes. Elle dira « Ce qui se passe après le tournage ne regarde que moi. C'est ma vie privée. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie et j'ai repris la mienne. » Avant d'ajouter que, contrairement à ce que Aquababy a expliqué, elle n'a pas participé à Marié au premier regard dans le but d'être influenceuse ou pour faire de la télé-réalité par la suite. Comme elle le dit, Jennifer espère simplement retrouver une vie normale après l'émission.